Du coup, revue d'actu, bonjour à tous, merci pour vos subs et vos resubs. On va se mettre en jambes avec un article sur la rentrée d'Emmanuel Macron. C'est un article d'analyse qui a été écrit par Le Monde, écrit par Solène Deroyer et Olivier Fay. Rentrée politique de point derrière le président des crises, Macron. Les interrogations grandissantes sur l'absence de cap. On en avait parlé avant que je parte en vacances au moment de la campagne des législatives. Emmanuel Macron navigue à vue. Emmanuel Macron ne semble pas avoir véritablement de cap. Il n'a pas fait campagne pour les législatives et il s'en est mordu les doigts vu qu'il est passé à côté de la majorité absolue au second tour des législatives. Emmanuel Macron a-t-il profité de l'été pour se fixer un cap politique? Quid des réformes, où va-t-on, que fait-on, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il y a dans la tête du président de la République? C'est ce qu'essaye de décortiquer du coup cet article de Le Monde. Le chef de l'État gouverne au gré des urgences et notamment de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Une manière aussi de masquer une absence de cap, dénonce-t-on jusque dans son propre camp. Ça commence à grincer. Emmanuel Macron se plaît dans son costume de président des crises et non pas président des riches. Vous avez compris? Jeu de mots, blague, calembour, humour, charade. Cette posture de gestionnaire rassurant qui se propose de préserver l'essentiel lui a permis d'être réélu chef de l'État le 24 avril au sortir de deux années d'épidémie de Covid-19 alors que la guerre tonnait en Ukraine. Pas question de changer de registre à la veille de la première rentrée de ce nouveau quinquennat. Un conseil des ministres est prévu mercredi 24 août. Après trois semaines de pause estivale durant lesquelles il est resté discret, M. Macron a rompu son silence vendredi 19 août à l'occasion de la cérémonie commémorant les 78 ans de la libération de Morne-les-Mines Mimosa dans le Var, non loin de sa villégiature du fort de Brégançon. Je vous rappelle que le fort de Brégançon dans le Var, c'est la résidence d'été du chef de l'État, là où il fait du canoë, du jet ski, tout ça. L'occasion de se poser de nouveau en capitaine dans la tempête. Les Français, a-t-il prévenu dans son discours, devront faire preuve de force d'âme dans les mois à venir et accepter de payer le prix de notre liberté face aux conséquences de l'invasion russe. Sur le plan énergétique, faut-il comprendre, l'automne et l'hiver à venir sont en proie à de potentielles restrictions en raison de la menace que fait planer Moscou de couper ses livraisons de gaz à l'Europe pour lui faire payer son soutien à Kiev. Le 14 juillet, le chef de l'État prévenait déjà que son homologue russe, Vladimir Poutine, pourrait utiliser le gaz comme une arme de guerre et appelait ses concitoyens à une mobilisation générale pour plus de sobriété dans leur consommation d'énergie. Cette question va dominer l'agenda de l'exécutif dans les prochaines semaines, affirme l'Élysée. Des plans de sobriété doivent être déclinés pour les institutions, les administrations publiques, les acteurs économiques et les consommateurs lambda. Je rappelle, si je veux pas dire de grosses conneries, qu'en France, le gaz est essentiellement consommé pour le chauffage domestique et pour l'industrie. Si les temps sont troublés, ils permettent de camoufler le fait que le cap d'Emmanuel Macron l'est lui aussi. Depuis qu'il a lancé sa campagne pour sa réélection en février, l'ancien ministre de l'économie ne parvient pas à expliquer le but qu'il a fixé à son nouveau mandat. Le réformateur échevelé a vécu. Ses amis soulignent un manque de projection stratégique, voire s'agace d'un pouvoir qui patauge. Et donc ça commence à baver un peu du côté de Ensemble là. J'ai l'impression que ça bave depuis des années déjà, mais ça change rien pour autant. Bah, dans la majorité, ça bavait pas tant que ça. On a connu des majorités où ça bavait beaucoup plus hein, par le passé. La majorité était vraiment aux ordres dans le précédent quinquennat. Là, on sent qu'il y a des proches d'Emmanuel Macron qui hésitent plus à parler aux journalistes et à faire part de leur agacement. Ils disent que le pouvoir patauge, il n'y a pas de projection stratégique. Emmanuel Macron a fait une campagne présidentielle discrète, au mieux, inexistante au pire, dans laquelle il a effectivement pas vraiment tracé de cap. Hein. Il a parlé des crises, il a parlé effectivement de la guerre en Ukraine, il a parlé de... il a dit on fait face à des crises majeures, le pouvoir d'achat, le climat, la guerre en Ukraine, le Covid, crise économique potentielle, etc. Mais effectivement, la question du cap stratégique est effectivement assez floue. Ce qui ressemble pas beaucoup à Macron, parce qu'en 2017, c'était un peu l'inverse, quoi. C'était plutôt sur le cap, les réformes. Ce quinquennat semble avancer semestre par semestre au gré d'une gestion de crise permanente. Cette prudence manifeste sans doute la conscience de la menace que font peser les crises exogènes qui supposent de ne pas fragiliser le national, excuse l'ancienne plume du chef de l'État Sylvain Faure. Les crises exogènes, c'est l'inverse d'endogène, endogène c'est qui vient de l'intérieur, exogène c'est qui vient de l'extérieur. Crise exogène, la guerre en Ukraine par exemple, c'est pas la France, hein. Ça se passe en Ukraine, c'est la Russie qui a décidé d'attaquer, on n'y est pas pour grand chose, mais ça a un impact sur nous. Le Conseil national de la refondation voulu par le locataire de l'Elysée témoigne de ce souci de ne pas brusquer la société française. Sa première réunion est prévue le 8 septembre. On fera un stream là-dessus. Cette nouvelle instance doit permettre un dialogue avec les corps intermédiaires sur l'école, la santé, nos grands services publics, a prévenu M. Macron. C'est pas encore très clair son délire là de Conseil national de la refondation. C'est un truc qu'il a annoncé pendant la présidentielle. On sait pas très bien quel est le fuck, à quoi ça sert, est-ce que c'est un machin, est-ce que. On verra le 8 septembre, je ferai un stream à l'occasion de ce truc. On verra bien ce qu'il en est, ce qu'il en dit. Mais c'est censé être un peu le pivot de la nouvelle méthode qui a été promise par Emmanuel Macron au cours de sa campagne présidentielle. Sans que l'on sache si un point d'atterrissage sera défini à son issue, le président de la République
devrait avoir prononcé au préalable un discours devant les recteurs d'académie jeudi 25 août. Les recteurs d'académie, je vous rappelle que ce sont les dirigeants au niveau local de l'éducation nationale. De dialogue, il sera encore question à propos de la réforme des retraites. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a promis que la concertation avec les partenaires sociaux débutera après la première réunion du Conseil national de la refondation. Donc réforme des retraites, Emmanuel Macron a promis une méthode différente de celle qu'avait vu l'échec de la précédente réforme des retraites avant le Covid. Il a promis de concerter avec les partenaires sociaux, c'est Olivier Dussopt qui va se coltiner ce travail-là. Et Olivier Dussopt a donc dit que la première discussion avec les partenaires sociaux commencerait après, donc à partir de probablement la deuxième quinzaine de septembre. On suivra ça de près évidemment. Si cette réforme n'est pas ficelée et ne sera pas à prendre ou à laisser, a affirmé la première ministre Elisabeth Borne, son objectif sera bien de porter à 65 ans l'âge légal de départ à la retraite, à un horizon au milieu des années 2030, a rappelé M. Macron, soit bien après son départ de l'Elysée. Dans le même temps, M. Dussopt doit s'atteler à la réforme de l'assurance chômage, afin d'en durcir les modalités, à celle du revenu de solidarité active, le RSA, pour conditionner son versement à 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire, ou encore à la refonte de Pôle emploi. Autant de sujets que le président de la République défend au nom de son attachement à la valeur travail. Donc ça aussi, il y a du pain sur la planche, mais effectivement, ce qu'explique l'article, c'est que, disons qu'il y a une liste à la Prévert de trucs qui ont été annoncés qui vont être faits, mais tout ça manque d'un cap précis. On sait pas très bien où ça va. On a compris la réforme des retraites, 65 ans, âge légal de départ à la retraite, valeur travail, RSA, réforme de Pôle emploi, etc. D'accord, on a compris. Mais c'est quoi le cap politique global? C'est quoi la vision du CEO? Sur ces questions, les voix de la droite seront cruciales afin de dégager une majorité à l'Assemblée nationale, où les troupes macronistes ne disposent que d'une majorité relative. Le parti Les Républicains a bien apporté son écho en juillet, au moment des débats sur le pouvoir d'achat. Sur la réduction des déficits publics, ou le fait que le travail doit payer plus que l'assistance, Emmanuel Macron ne pourra trouver un accord qu'avec les Républicains, prédit le politologue Bruno Cotterêts. La gauche est sur une opposition assez ferme. Oui, une opposition, une divergence de vue même. Donc oui, ça c'est vrai, et ça c'est stratégiquement, on l'avait déjà analysé ensemble, je vous rappelle, Emmanuel Macron a besoin des Républicains pour former des majorités à l'Assemblée nationale. Donc c'est bien les Républicains qui vont être les faiseurs de roi de toutes ces réformes. L'exécutif comptera également sur un hypothétique soutien de la droite lors de la discussion sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur à partir d'octobre, date de reprise des travaux au Palais Bourbon. Je vous rappelle que cette année, exceptionnellement, il n'y a pas de session extraordinaire du Parlement en septembre, donc on reprendra les travaux que début octobre. Donc il n'y a pas de séance de questions au gouvernement avant début du mois d'octobre. Le 6 octobre, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Les têtes d'affiche des Républicains préviennent en tout cas que leurs troupes ne voteront pas le projet de loi de finances, acte symbolique pour manifester son soutien à la majorité. En privé, Elisabeth Borne assure qu'elle n'exclut pas d'avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution afin de faire adopter le texte sans vote. Le quinquennat ne tient qu'à un fil. Effectivement, l'article 49.3, il y a une particularité pour les lois budgétaires, notamment le budget. Je vous rappelle que le budget, c'est la loi la plus importante de l'année. C'est le moment où le gouvernement a absolument besoin d'une majorité absolue. Vous me direz, il en a aussi besoin pour les autres lois, mais le budget, c'est le plus important parce que c'est dans le budget que l'on trouve la traduction effective des ambitions politiques de chacun des ministères, de chacune des actions prioritaires de politique publique mises en place par le gouvernement, et qu'il existe la possibilité d'avoir recours au 49.3 est illimitée en matière de loi budgétaire pour éviter des blocages comme ça peut exister aux États-Unis, vous savez, où on peut plus payer les fonctionnaires le 1er janvier, ce genre de truc-là. Donc le 49.3 en matière de loi budgétaire, c'est moins exceptionnel que les 49.3 pour d'autres types de projets de loi. Donc Elisabeth Borne n'a pas exclu, c'est normal qu'elle n'exclue pas, le recours au 49.3 pour voter le budget. Le 49.3 peut échouer sans majorité? Non, en fait, t'as plus de chances d'obtenir... Enfin, il y a très peu de chances qu'une motion de censure obtienne une majorité absolue de vote, et c'est ça qui permet l'adoption d'un texte par 49.3. Tout ce qui est facile sera accompli avec beaucoup d'énergie déployée, en mettant plus de temps et avec un coût plus élevé. Mais peut-on faire des choses difficiles, impopulaires? C'est récemment interrogé devant un proche, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, fondateur d'Horizon, troisième parti de la majorité. La loi pouvoir d'achat, c'était assez populaire. Quand ça va devenir plus compliqué, on verra si on y arrive. Oui, la loi pouvoir d'achat, ça consistait essentiellement à donner plus de pouvoir d'achat aux gens. C'est vrai que c'est moins compliqué à faire d'ouvrir les vannes des robinets que de les fermer. Donc on verra politiquement, il y a effectivement, à mon avis, Elisabeth Borne a moyen de se faire un sang d'encre. Reste l'écologie. Emmanuel Macron avait assuré que sa politique sera écologique ou ne sera pas. Mais aucun acte n'est venu pour l'instant traduire concrètement cette promesse qui se heurte parfois à l'impératif de soutien au pouvoir d'achat. Un projet de loi en soute depuis le gouvernement Jean Castex, visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, doit être présenté en septembre au Conseil des ministres. Afin de montrer sa mobilisation, le chef de l'État a prévu de se rendre à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, sur l'unique site éolien offshore de France en activité. Après tout, dans crise climatique, il y a crise. Donc voilà cet article d'analyse du journal Le Monde qui nous propose de regarder un petit peu vers l'avant de la rentrée et des textes qui sont à l'ordre du jour et de ce qui devrait arriver, en ne faisant pas mystère du fait que ça va être chaudard
pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale, qui va devoir compter sur les Républicains s'il veut former des majorités de projets sur certains textes de loi, et qui du reste va devoir se reposer sur des 49-3. La rentrée va être chargée pour le gouvernement, elle va être tardive mais chargée, il va se passer quand même pas mal de choses d'ici à Noël. La loi pouvoir d'achat était, disons, un premier round de chauffe avant la pause estivale. Le gouvernement prend son temps pour bien préparer la rentrée et négocier en amont autant que possible. Mais ouais, dans conférence sociale sur la réforme des retraites, réformes diverses et variées, je pense que ça risque de bloquer et ça risque de faire encore plus monter les tensions dans le pays. Bah, d'où la question du Conseil national de la refondation proposée par Emmanuel Macron comme selon lui la nouvelle méthode de gouvernement qui vise à dépasser les blocages et les colères, etc. J'aime cette chaîne, j'aime les commentaires, vous êtes les meilleurs. Arrête, c'est toi le meilleur.